Persévérance scolaire, puis je suis vraiment fier de vous ce matin d'être là devant vous autres. J'ai entendu que du bien des élèves, des profs qui ont mis la main à la pâte sur des projets qui mettent du concret dans les mains des gens, puis je suis honoré d'être là, comme toujours. Ah, ben voilà. Donc, c'est ça la bibitte. C'est ça la bibitte qu'on a travaillé si fort, OK? En premier lieu, je suis intervenant en toxicomanie, donc je dois réfléchir à comment prévenir comme il faut la problématique de la consommation de drogue sur les heures de cours. C'est une école particulière où les jeunes sont peut-être moins motivés aussi au niveau scolaire. Donc, au niveau du décrochage scolaire et de la consommation de drogue, on retrouve un facteur de protection commun qui est le sentiment d'appartenance à l'école. Plus les jeunes se sentent bien dans leur école, plus les jeunes s'identifient à leur école, plus ils sont motivés pour travailler et en même temps, moins ils ont le goût de consommer à l'école. Leur passage allait plus ou moins bien dans leur école régulière. C'est ça qui représente le côté gauche. Après ça, ils ont décidé d'embarquer dans l'autobus de l'école Raymond, donc de vivre l'aventure l'école Raymond, qui est représentée par un bus pimpé. C'est pas un bus normal, mettons. Et les images qu'on voit à l'intérieur, dans le fond, on a un cuisinier, on a quelqu'un avec des outils, une madame avec un séchoir, c'est les liens avec les stages. Et à droite, c'est la finalité de l'école Raymond. Avoir quelque chose en main, j'en sors grandi, j'en sors fier, et avec plein de projets en tête. Je ne sais peut-être pas où si je m'en vais précisément, mais j'en ai des projets. C'est de rendre l'art accessible aux jeunes et qu'ils puissent s'exprimer naturellement en étant encadrés par des artistes professionnels qui est Victor Varakeli et Joël Thébault. Et ça a très bien fonctionné, ça donne ce qu'on retrouve en arrière de moi. C'était un des projets personnels pour moi le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je me taise. Il fallait que j'écoute les élèves et essaye de rien faire. On voulait que ça vienne des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. On a participé à la supervision, on peut dire, de la fresque qui est derrière nous, ici à l'École Raymond. C'était deux groupes, un au début de la semaine, un autre groupe fin de la semaine. Alors, c'était une coordination pour voir leurs idées, mettre en œuvre leurs forces, leur aider à avancer, puis à réaliser la fresque de A à Z. On a toujours dit, puis le mot d'ordre, c'était pour les jeunes et par les jeunes. Ici, à l'École Raymond, les jeunes, ils n'ont pas nécessairement de cours d'art. Fait que c'était vraiment, il y en avait qui n'avaient aucune base en art. Fait qu'on les a aidés. Là, il y en a qui c'était vraiment du début à apprendre à mélanger les couleurs, puis à essayer qu'ils s'améliorent tout le temps plus. Fait qu'on a vraiment été là pour les aider, là, côté artistique et implication dans le projet. Dans le fond, mon expérience a super bien été. On était super bien accompagnés par M. Laprade, M. Varcali. Ça allait près à peu près 3-4 mois, mais ça a super bien été. On était bien entourés, on aimait ça.